Le classement des établissements secondaires aux examens de l'Office du bac, session 2020, est connu. Compte tenu des perturbations de l'année scolaire par le coronavirus, c'est par ordre d'enseignement sur le plan national et régional que ce classement est rendu public. Contrairement aux années précédentes, où le document présentait le classement général de tous les établissements du pays. Ainsi, le collège Jean Tabi Manga à Yaoundé arrive en tête des établissements privés confessionnels de l'enseignement secondaire général, avec un taux de réussite de 99,77%. Le CP CIAS de Koutaba est dernier. Du côté des établissements privés confessionnels de l'enseignement secondaire technique et professionnel, le collège Liberman dans le littoral occupe le premier rang avec 98,70% de taux de réussite. Le collège Renaissance de Tchan arrive en dernière position. Chez les privés laïcs de l'enseignement secondaire général, le collège La Conquête est premier. L'Institut agricole Dobala vient en tête des établissements privés laïcs de l'enseignement technique et professionnel avec un taux de réussite de 82,96%. Pendant que le lycée bilingue de Bepanda dans le littoral confirme son leadership dans l'enseignement secondaire général public avec un taux de réussite de 79,84% parmi 627 lycées classés. Le lycée de Largo dans l'extrême nord est dernier de cet ordre d'enseignement. En ce qui concerne les établissements publics de l'enseignement secondaire technique et professionnel, le lycée technique professionnel et agricole de Yabassi arrive en tête avec 88,04% et le lycée technique de Ngormapoubi est dernier dans cet ordre. Et parmi les lauréats qui se sont distingués sur le plan national, arrive en tête Dylan Chofo Zumenge du collège Liberman, premier avec une moyenne de 18 et la mention excellent. Jenny Brandi Choufak Goufo du lycée bilingue de Bojongo dans le littoral est le plus jeune lauréat. Sonakam, un éternel recommencement. Après l'élection en décembre dernier d'un nouveau conseil d'administration dirigé par Francis Atebazor, les artistes et musiciens pensaient sortis de l'auberge, de la mauvaise gestion qui mine leur corporation depuis plusieurs décennies. C'était sans imaginer que quelques mois après, celui sur qui beaucoup d'espoir était fondé allait être rejeté par les siens. Depuis la nomination de Serge Amogou au poste de directeur général de la Sonakam, Francis Atebazor fait l'objet de toutes les critiques. Opacité dans la gestion, absence de coordination, gestion par embuscade. Tels sont les qualificatifs attribués au PCA et son directeur général. Pire encore, l'actuel PCA de la Sonakam avait annoncé lors de sa prise de fonction 4 repartitions par an. La toute première, annoncée en mars dernier, a été reportée à une date inconnue. Bien de choses qui exposent à suffisance le malaise à la Sonakam. D'après les informations recueillies à bonne source, la Sonakam employerait une centaine de personnes à ce jour non déclarées à la CNPS, au rang desquelles une dizaine de communicateurs. Pourtant, 4 seulement sont légalement reconnus. À ce chapelet d'incrimination s'ajoutent les démissions et la destitution de certains cadres de la Sonakam. À quand la fin de cette crise dans le droit d'auteur ? La mesure interdisant la circulation des vieux taxis dans la ville de Yaoundé est diversement appréciée par les conducteurs. L'idée du maire est bonne, mais il faut qu'il commence d'abord par arranger les routes. Puisque comme ma voiture est neuve, si les routes ne sont pas bien faites, d'ici peut-être 6 mois, elle sera en épave. Donc moi je trouve que l'initiative est bonne et il commence d'abord par arranger les routes, comme j'ai dit. Et puis il sensibilise aussi plus les chauffeurs. Puisqu'il y a nombreux parents vivent selon ce qu'ils font comme transport et tout et tout et tout. Et bon, ils peuvent aussi demander qu'ils vont dans des zones régulées et hors des centres-villes travailler. Bon, s'ils ne veulent pas ranger leur voiture, ce serait mieux pour eux. S'ils ne veulent pas ranger, que de leur dire totalement arrêter comme ça, puisque ça s'augmentait du chômage. Ils estiment que la période est mal choisie pour prendre une telle mesure compte tenu justement de la crise qui gangrène l'économie nationale liée au coronavirus. Nous avons tendu notre micro à quelques automobilistes dans la ville de Yaoundé. Ok, donc franchement parlant, le maire a tout à fait raison. Donc c'est vraiment d'une façon comme de rendre la vie très propre. Vous voyez, non? Parce que moi j'ai vraiment un vieux taxi, mais je ferai tout d'ici la fin du mois de mai. Donc pour mettre cela en tolérie et puis sortir aussi en vide comme les autres. Je pense que le maire a raison. Donc les vieilles voitures n'honorent pas le métier de taximan. Ça salit un peu la ville.
et du coup ça dégrade la qualité du taxi. Donc je pense que c'est une très bonne décision. Nous l'accueillons parce que vous voyez dehors, il n'y a pas de mouvement. C'est-à-dire que les tassements eux-mêmes accueillent, ça pousse les patrons, les promoteurs à retourner donc dans les garages, essayer de revoir la qualité du travail, pour que le travail aussi soit de meilleure qualité. On ne doit pas tout servir. Quelqu'un dans un taxi ressort avec la tenue déchirée, ce n'est pas propre à voir. Donc je suis d'accord avec lui. Il faut dire que pour M. le maire de la ville de Yaoundé, Luc Atangada Messim, cette décision devrait s'appliquer dans les prochains jours. Des mesures seront prises pour que ce soit respecté. Il faut dire que ce n'est pas la première fois qu'une telle mesure est prise. Avant, le maire de la ville de Yaoundé, l'ancien délégué régional pour les transports du centre avait pris une mesure avant la CAN féminine de 2016, mais une décision qui n'avait pas été appliquée par les taximans. Cette fois-ci, on espère que ce sera le cas. En direct de Yaoundé au Cameroun, pour le compte de BKM TV, je suis Thierry Fa. À bientôt. Retour triomphal du champion du monde poids lourd de l'Ultimate Fighting Championship. Francis Ngannou est arrivé au Cameroun lundi par l'aéroport international de Douala pour un moment de communion avec le public camerounais. Premier arrêt après sa descente d'avion, les services du gouverneur de la région du littoral. Occasion pour Samuel Ivaha Dibwa de saluer l'exploit de ce compatriote arrivé en Europe par voie clandestine. Il a su repousser ses limites pour se hisser au sommet du monde. Ensuite, suivra le tour de ville organisé par une société de téléphonie mobile qui l'a sollicité pour devenir son ambassadeur. À chaque passage du cortège, le champion surnommé le Predator n'a cessé de brandir sa ceinture au milieu de cette marée humaine, déterminé à regarder de près cette précieuse récompense de la plus prestigieuse ligue de MMA de la planète. Francis Ngannou décrochait pour la première fois ce titre de champion du monde poids lourd le 27 mars dernier à Las Vegas, après sa victoire par KO sur Stipe Music, et devenait ainsi le premier Camerounais et troisième Africain à réaliser pareil exploit, à la grande satisfaction des amoureux de cette discipline. La mascotte de la CAN 2022 et l'hymne seront dévoilés dès le mois de mai. Les jurys responsables de ces différents choix ont été installés dans leurs fonctions le 26 avril par le ministre des Sports et de l'Éducation physique. L'équipe devant sélectionner l'hymne officiel de la CAN Total 2021 a pour président du jury le professeur Charles Binambikoy, l'actuel secrétaire exécutif du Centre international de recherche et documentation des traditions et les langues africaines. Aladi Touré, le bassiste et arrangeur de renom, est son vice-président. Le professeur Jean Tabimanga, ancien recteur de l'université de Yaoundé 1 et actuel directeur général du Centre africain des études olympiques, quant à lui, à une semaine pour choisir la mascotte officielle de la CAN, il est secondé dans cette tâche par le cinéaste Bassek Bakobio. Rappelons que le choix de la mascotte officielle porte sur les 35 candidatures reçues et celui de l'hymne officiel de la CAN sur 100 singles reçus. Ouvert le 1er avril dernier, le verdict final des concours artistiques nationaux pour la proposition de l'hymne et de la mascotte de la Coupe d'Afrique des Nations sera connu au terme des choix que vont opérer ces jurys. En rappel, l'hymne retenu lors du CHAN dernier était « We are all champions » de l'artiste James Mary. Et la mascotte était une créature à l'image d'un lion baptisé Tara 237. Le public plébiscite, que la crème de la chanson félicite. Comment oses-tu douter quant à sa réussite? Même Dieu et le diable en ferait de nier le mythique. Vos mauvaises langues ne prophétisent rien de bon. À force de nous haïr, vous finirez toujours second. Le génie redéfini prend forme sous le signe d'un son énorme et protéiforme. On n'est pas obligé de s'amouracher l'un l'autre pour reconnaître la valeur d'un travail bien fait. L'objectivité devrait prévaloir sur le ressentiment, mais tu me diras c'est de l'art. Si tu n'aimes pas, passe ton chemin. Si tu n'aimes pas, n'achète pas pour rien. Les choses transcendent tes personnes. Pourquoi déblatérer sur ma magie de Rémi Fassol? Je sais par expérience quand c'est bon, ça fait jaser. Tout le monde dit au quartier, c'est le petit sorcier. De sa musique qui marche, franchement, on en a assez. Excès de succès à ce moment. Laissez-nous avancer.
Laissez-nous avancer. Laissez-nous avancer. Laissez-nous avancer. Laissez-nous avancer. Laissez-nous avancer. Laissez-nous avancer. Laissez-nous avancer. Marchands de journaux, disquaires, comptants vendus sur les prouesses du mythique et laissés des langues pendues. Des malentendus, de malentendants très tendus. On jaillit de notre gloire et de nos textes bien entendus. Parti comme Cella, comme Ayrton Senna, ça saigne notre formule et l'arène dans laquelle il y a dissension, multiple ascension. D'une jalousie du travail de l'autre qui ne dit son nom. Pour être S-I-M-P-L, les gens ont mauvaise foi et ça file une peur bleue. Au quartier on les cope et ça fout les pellicules. Les imbéciles construisent des discussions de nuls. En définitive, avec le grand D, les gens manquent de lecture de faits et d'objectivité. Les goûts et les couleurs ne se discutent pas vainement, mais il faut pas être trop bêta. Laissez-nous avancer. 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 Flipper vos femmes à table à midi quand elles mangent. Regarde-toi Magenta sans forcer. Tu crées des hits qui révolutionnent le rap et son industrie. Assassin, tu assassines le rap, tu dis merci. Tu as des belles vidéos et les belles femmes t'apprécient. Tu oublies un peu trop vite ton histoire de petit colis qui fait que toutes les filles veulent visiter ton lit. C'est vrai, c'est vrai, tu as trop raison. Les femmes adorent ce truc, elles ont des démangeaisons. Et quand tu poses, quand tu rappes, c'est du sérieux. C'est du texte, c'est du style et c'est furieux. Et tes musiques, l'effet de tes musiques donne des mots de tête à tout le public. Et à cette flatterie, tant mieux si ça nous sert. On essaie d'être humble et faire ce qu'on a fait. Laissez-nous avancer. Laissez-nous avancer.